sing a boss of course you come on got a mo for boom and boop. Oh, sing so well come gang a mania, gamma mo for boom and boop. Eh, t'as tout comme un Marcel et Joaquin. Oh, 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 sober dim finger. Oh, 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 oh. C'est comme si on peut dire que, on peut dire que si vous avez des poux, il faut vous raser. Quelqu'un dit que non, dans ma famille, on avait, ça veut, donc ça veut dire comment on a été, ça veut dire que vous ne pouvez pas transmettre le poux, vous pouvez quand même transmettre le poux. Donc c'est ça le problème. Et très souvent, dans les familles où l'on a refusé, c'est là où moi, je me dis que, mais, on, c'est comme si on ne sait même plus de quoi il s'agit. Il y a une question, c'est, on parle pas ici des familles, on parle des chiffreries. Si je ne me trompe pas, la chiffrerie, par exemple, est-ce que ça, ben, je ne sais pas votre intervention, donc ça veut donc dire quoi? Puisqu'on est en train de, on est en train de dire. Je me pose la question que si une personne qui est en contact avec le si, comment on dit là, estime que tu n'es plus. Il a bien fait la distance entre la chaufferie et le là. Donc, essayons que. Oui. Souvent, par exemple, que un membre t'est parasé, peut-être ton grand-père, par exemple, t'est parasé. Quand tu es comme ça, père. Donc, moi, je te rappelle que c'est une maladie. Le truc, ça peut être. Le truc, c'est que quand déjà, d'abord, quand déjà nous avons des familles où l'on ne connaît même plus pourquoi on rase. Donc, beaucoup de choses qu'on va dire, c'est à revoir. Parce que ça veut dire que c'est, la boussole a été perdue. Parce que j'ai dit encore, le fait de se raser, c'est un truc scientifique. Ce n'est pas une histoire de croyance. Mais pourquoi on se rase? Et c'est, comme j'ai dit ici, en bref, parce qu'on ne peut pas aller dans le truc, il faut savoir, la disposition des cheveux, c'est quoi? La disposition des caractéristiques, la dynamique, ou encore l'énergie, entre guillemets, que je n'utilise pas trop. Voilà, il y a toute une fond, il y a tout un truc. Pourquoi nos cheveux sont même crépus? Il y a tout, qu'est-ce qu'il y a dans nos cheveux? Il y a, qu'est-ce qui se transmet par les cheveux? Ce sont des tous les trucs qu'il faut savoir pour comprendre pourquoi c'est nécessaire la science. Bon, donc le fait, par exemple, ne pas entre guillemets, doter une femme, entre guillemets, parce que même le thème, le concept de dot, il faut encore thématiser, mais je ne vais pas aller là-bas. Oui? Oui. Dans le nouveau concept chez nous, on se rase jusqu'au derrière. Nouveau. Mm-hmm. Je sais que dans certaines familles, on fait cela. Ce n'est pas. Le truc, c'est quand on fait. Puisque vous savez, un des problèmes que nous avons, c'est que nous avons l'information de nos jours et on n'a plus le savoir. L'information, c'est quoi? Par exemple, un ingénieur. Quand il prend son laptop là, il peut vous faire des fonctions mathématiques très très bien. Bon, vous enlevez l'ordinateur, vous lui donnez le bit que 3,14 divisé par 0,2. Calculer, il ne connaît plus. Il connaît plus. Donc, il a l'information, mais plus le savoir. Et ça fait, ça se répète, ça, on peut appliquer ça beaucoup dans nos structures. Donc, et quand on a l'information et plus le savoir, maintenant, voilà, puisqu'on ne sait plus pourquoi on faisait, on va dire que oui, on peut faire symboliquement ceci. Quelqu'un m'a dit que non, tu peux mettre, si tu te dors sur le lit et le matin, tu mets les pieds comme ça peut faire. Parce qu'on ne sait plus ce que c'est. Donc, il y a par exemple, tu es une femme et mère de surcroît, tu es un animal. Vous n'avez non, pas... Là, c'est compliqué. Oui. Moi, je tue la poule à la maison. Voilà. Voilà. C'est pour cela que dans les là, il y avait les sacrificateurs. On ne tuait pas, on se levait pas dans le contrôle, on arrête un animal, on ne tuait pas. Avant de tuer l'animal, il y avait tout un truc. On amenait chez les sacrificateurs parce qu'il y avait. Pourquoi? Parce que
il y a une décharge énergétique que l'on porte sur soi quand on le fait. Et ah, il y a donc... Comment ça à la maison? C'est une fille, non? Et on va manger quoi alors? Non, c'est pas là, c'est pas sa place. La personne n'a pas sa place. Donc, je dis la personne n'a pas sa place parce que je dis que avant, dans la structure normale, il y avait des gens de sacrificateurs. Donc, ça veut pas dire qu'on ne mangeait pas, mais il y avait. Et parce qu'avant de le faire, on demandait pardon à l'animal. Il y avait tout. On demandait d'abord verbalement et on expliquait qu'il y avait des trucs à faire. Des formalités. Et voilà le suicide dans la famille. Vous savez aussi que le suicide. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de mauvais esprits dans les abattoirs. Et il y a le suicide aussi dans la famille. Le suicide aussi vient parce que dans le cas du suicide, vous savez qu'il y a des formalités spécifiques à faire pour que, voilà, il y a le bouleversement des rôles familiaux. Par exemple, mon frère peut avoir un enfant quelque part, je ne connais pas. Donc, je ne joue pas le rôle d'oncle, qui est cependant... Mais puisque ça devient un devoir pour la dynamique familiale, pour le même ventre que nous partageons, ça devient un devoir. Je ne connais pas et ça a des conséquences. Alors que c'est mon père qui a fait l'enfant, mais ça a des conséquences, si bien que les générations après moi peuvent venir travailler ça. Alors, les legs intergénérationnels, la plupart d'ailleurs de ce qu'on appelle de ce phénomène, c'est des trucs que parfois l'enfant ne connaissait même pas de là où ça sort. C'est les gens qui ont vécu l'un avant lui, qui l'ont vu mettre dans les problèmes. Donc, il y a aussi l'infidélité de la femme. L'infidélité de la femme qui a dans le l'homme Dieu, l'infidélité de la femme peut créer des très très graves problèmes. Je crois que vous le savez. Si bien que quand peut-être un conjoint est malade, il ne faut pas que parfois les regards se croisent. Je crois que vous le savez. Maintenant, répétez un peu la dernière phrase. C'est des choses qui existent même dans la spiritualité européenne. Bon, oui, on va... C'est que, dans le contexte du l'homme Dieu, quand par exemple la femme a confondu son pied, alors il y a, si par exemple un des conjoints est malade, le fait que, quand le conjoint est malade, il y a parfois, même si la femme n'a pas la nourriture, elle ne doit pas voir par exemple son mari ou vice versa. Voilà, parce que ça peut affaiblir l'essence de la personne qui a conduit même à sa mort ou à l'empirement, que le cas devient encore plus pire. Et pourquoi ça s'incombe à la femme? Pas parce que la femme est marginalisée. Hein. C'est parce que, en effet, ce sont des structures où la femme, d'abord, ce sont des structures à la base matrilinéaire, matriarcale. Pour ne pas. On peut encore peut-être approfondir notre temps. Congé, c'est là comment alors? Non, il y a des choses appropriées que peut-être on peut gérer, qui peut-être en allant chez les gens d'habilité à le faire, on peut peut-être résoudre. Donc, ayant parlé comme ça, là, nous voyons beaucoup de choses peuvent produire dans ce qu'on appelle dans le doux. Et on peut aussi voir que donc, on peut aussi faire des choses pour prévenir. Et pour prévenir, si on avait vu un peu la liste que j'ai dit là, ça veut dire qu'on voit déjà même ce qu'on peut faire pour prévenir le doux. On peut déjà vu la liste de ce qu'on a donné. Et entre autres, j'ai mis seulement c'est le faux tanefo. Dans son livre qui a donné les cinq piliers de la culture bamileke, la justice, la politesse, le respect de la parole donnée, l'honneur, la solidarité. C'est entre autres, ça peut orienter quelqu'un. Par exemple, si quelqu'un vit là-bas en étant poli, en sachant qu'il peut, voilà, si quelqu'un, ça peut orienter, par exemple. Et la matérialisation, nous avons parlé de comment le dos. Voilà, là où ça peut venir, et ainsi de suite. Bon, ça se matérialise, ça peut aussi se matérialiser sur différentes manières. La pauvreté, la désunion, l'échec, la stérilité, la perte de la langue. Quand il dit perte de la langue, ce n'est pas l'organe. C'est le fait que l'être humain ne connaisse plus la langue de son là. C'est un doux. Ouais.
Parce que la langue d'abord, plusieurs langues africaines, entre guillemets africaines, ou les langues soit bantou, entre guillemets, sont pas des langues, comment je peux dire, je peux exagérer en disant que ce ne sont pas des langues humaines. Ce sont des langues qui ont des cristallisations, ce sont des codes, c'est autre chose, ce n'est pas, ce sont les mots, les sons, les vibrations, c'est tout un autre truc. Et en plus de cela, on ne peut pas avoir contact avec les ancêtres, même avec une langue étrangère. Je crois que vous pouvez connaître, vous savez. Oui. Vous pouvez parler, vous venez, vous entendez en français, vous parlez en anglais. Vous êtes d'accord? Oui, c'est vrai. D'accord. Donc, il y a donc le fait de perdre la langue. Parce que nous pensions que quand on perd la langue, ça veut dire qu'on n'a plus contact avec les ancêtres. Non, c'est quand on a plus le contact avec les ancêtres qu'on n'a plus la langue. C'est plutôt l'inverse. Ce sont les conséquences qu'on a perdu. Et le perdre le contact des ancêtres peut ne même pas être sur vous. Ça peut être même des quatre générations, même des boucliers de génération avant vous, mais vous venez à votre génération, vous ne pouvez plus. Vous avez les enfants, vous ne réussissez pas à transmettre. Or, on peut dire que c'est la modernité, mais les conséquences, je peux seulement vous dire que la conséquence de cela, c'est la servitude. Bon, parce que, je m'attarde un peu sur ça. Quand une femme est enceinte, votre maman est enceinte, quand vous parlez seulement comme ça, là, vous sentez des vibrations, non? Nous sommes d'accord. Donc, là, vous portez un enfant dans le ventre 9 mois. Les gènes, votre mémoire génétique connaît ces vibrations depuis des millénaires. Vous venez maintenant, vous accouchez un enfant, vous coupez ça. Vous lui donnez maintenant le français, et pourtant, le blanc français avec qui ils vont aller à l'école, lui, ses vibrations restent depuis des millénaires. Le noir qui vient là, c'est tout nouveau. Et après, on croit qu'ils sont égaux. Ils sont égaux comment? Et après, on s'étonne de voir ce que nous voyons de nos jours. Je vais dire quelque chose par rapport à la langue. Moi, quand je vais au village, quand je vais parler à mon grand-père, je lui parle en patois. Mais à mon père, puisque nous, on parlait plus le français, moi, je mélange les deux. Et la vibration, là, je l'ai. Non, c'est quoi? Oui. Bon, mon avis, j'ai dit aussi, parce que le grand-père, il parlait plus le patois, et le père parlait le français. Donc, ce qui fait que je distingue, je ne sais pas que je distingue, moi je sais qu'en parlant le patois aussi, je ne suis pas 100% dans le patois. Donc, mais quand je parle au grand-père, même si je parle le faux patois, je parle. Mais avec le père, moi je parle le français. Oui, c'est le truc, comme je dis, quand il parle de vibrations, c'est pas que les vibrations que l'on entend, je dis. L'émotion est là. Parce que oui, mais ce n'est pas. Oui. Moi je sens qu'il m'écoutait. De mon côté, quand je parle en français, donc, tant mieux que les ancêtres maintenant comprennent la langue aussi, non, le français. C'est des trucs, c'est des expériences individuelles, non? Donc, nous avons, par exemple, la perte de la terre. On fait ça par la perte de la terre. Il y a des gens que, parfois, leur concession, ils ne connaissent même plus. C'est-à-dire, elle est perdue. Même pas qu'ils ne connaissent plus la route, que même la chiffrée a donné une concession à une autre personne. Et il y a, par exemple, l'éjection du lac. Voilà, comme j'avais dit, quand on n'est plus dans le lac, on vit dans la sauvagerie. Dans la nature, c'est l'état nature. Nous avons, c'est très intéressant parce que dans le contexte européen, on appelle les peuples africains les peuples naturels. Sans savoir qu'en effet, dans le lac, c'est une structure qui, l'être doit quitter l'état naturel pour pouvoir entrer. Donc, c'est plutôt les Européens que nous voyons plutôt que c'est les Européens qui sont les gens de la nature. Alors, nous avons, voilà, une conséquence, c'est la servitude. La servitude, ça veut dire, entre autres, l'esclavage. Parce que l'esclavage n'est pas le fait, comme vous avez dit, il est d'abord mental. L'esclavage, puisque le fait qu'on attrape quelqu'un, on le kidnappe, on l'amène travailler quelque part, ne le fait pas de lui un esclave. L'esclave, c'est quand on ouvre les portes, on dit que pas, il dit que non, je me sens bien ici. C'est l'esclave, c'est quand quelqu'un, que quand on tapait ses ancêtres pour porter les noms des blancs. Maintenant, les Européens disent que non, vous pouvez mettre le nom. Ils disent non, le nom là me plaît. Votre religion là me plaît. Votre ceci là me plaît. Donc, il y a par exemple, voilà, les mariages difficiles.
Nous, il y a la confusion des rôles sexuels. Mm-hmm. Donc, confusion des rôles sexuels pour dire peut-être l'homme qui devient la femme qui devient l'homme, et ainsi de suite. Il y a la perte de la noisseur. Bon, j'ai dit que la noisseur jouait un très grand rôle ici. Parce que nous avons dit que le lien avec le souterrain est, voilà, est codifié sur la noisseur. Et cette noisseur-là, donc, c'est même le, comme j'ai dit, notre épanouissement, l'épanouissement des gens de cette société est codifié sur autre chose. Entre autres, la mélanine que cette peau porte, l'action du soleil sur la mélanine, si, c'est des choses. C'est un autre contexte en quoi développer. Et c'est son, voilà, c'est ça que. Ça concerne le genre sans aussi, quoi. Bon. Mais la perte de la noisseur, si, c'est pas au niveau de la peau, hein. J'espère que vous comprenez. C'est non, pas non, la peau. Non, je comprends pas. Moi, je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire la noisseur? La noisseur, si, la noisseur, j'ai dit que le lien avec le souterrain, l'entité souterraine est reliée à la noisseur, à l'humidité, au souterrain, tandis que l'autre entité céleste est reliée au feu, à la lumière, et ainsi de suite. Donc, si l'entité en bas est reliée à la noisseur, alors ça veut dire que nous parlons ici d'un état. Ce n'est que nous ne parlons pas de la peau, nous parlons d'un état. Et donc, ça entraîne aussi la maturation, la rupture avec les ancêtres sacrés. Donc, on peut se demander que les Noirs, bon, les gens qui sont aujourd'hui les Africains de nos jours, est-ce qu'ils ont. Parce que pour avoir contact avec les ancêtres sacrés, il y a tout un créneau. Donc, on peut se demander que est-ce que plusieurs d'entre nous sommes-nous généralement encore reliés avec les ancêtres sacrés? Parce que être reliés avec les ancêtres sacrés procure, une dimension supranaturelle. Donc, on peut pas vivre dans la désuétude et telle que nous vivons, et voilà. Et nous avons les impurs lèguent leur souillure à leur progéniture. Parce que dans le contexte-ci, les contextes de paradis, de péché, de tout ça, ça n'existe pas. Nous sommes d'accord dans le contexte-ci. Donc, ici, dans le contexte-ci, les impurs lèguent leur fardeau, leur souillure à leur génération, à leur progéniture. Il y a aussi des maladies incurables, beaucoup de maladies, certaines maladies et tout, qui peuvent souvenir aussi en tant que maturation du ndo. Donc, en effet, le ndo vous dit, il tarit le flux vital. Et ça fait que même il y a certains lignages que, de génération en génération, on voit comment ils deviennent petits, après un moment, jusqu'à ce que ça va faire, jusqu'à la partie disparaître. Tout en sachant que nous sommes, c'est des structures à la base matrilinéaire. Je l'ai dit peut-être il y a 4 fois. Dans la matrice, ça veut dire que c'est la femme qui donne la vie. Voilà pourquoi on dit dans plusieurs cultures américaines, un lignage sans femme, c'est un feu de paille, comme un feu de paille. Parce que moi, je ne peux pas donner mon ombilical à mon enfant biologique. Nous sommes d'accord. C'est les enfants de mes sœurs qui sont reliés avec moi. Donc, il y a un point très intéressant, parce que quand à revoir les choses, parce que, bon, j'espère que vous avez pu comprendre, je ne suis pas pour ou contre la tradition, j'essaie seulement de voir d'une manière, avec objectivité, ce que nous avons, ce qui ne va plus bien, ainsi de suite. Donc, il y a aussi, quand on regarde le concept, là, on peut voir que, mais il y a aussi peut-être des abus. Des abus, pourquoi? Parce que nous parlons des sociétés qui déjà d'abord, à la base, sont inégales. Les sociétés bamileke sont très hiérarchisées. L'hiérarchisation va du fait que les êtres humains ne sont pas égaux. Nous sommes d'accord. Et inégalité ne veut pas dire injustice. Je ne veux pas dire qu'ils sont injustes, mais c'est inégal. Alors, le concept de ndou tel qu'on nous montre aussi, renforce cette structure d'inégalité. Pourquoi? On va vous dire que vous manquez du respect à votre père. Vous allez voir que le concept de ndou, vous allez voir que c'est toujours sur le fardeau, ou bien, on peut dire en français comment? Le lastre. Sur la charge des cadets. Nous sommes d'accord. Et ça fait que ça renforce d'une part, voilà, donc ce qui fait qu'un parent, ou un aîné, peut vous faire subir une injustice grave, et il aura raison. Et si peut-être un aîné vous frappe,
injustement, malgré votre âge, vous répliquez, même barré, vous portez le nous. Vous sommes d'accord? Et pourtant, donc voilà autant de choses. Donc, pourquoi? Parce que c'est les sociétés où l'événement remporte sur la structure remporte sur l'événement. La structure, c'est que on ne frappe pas un aîné. Donc, si quelqu'un vient expliquer maintenant, non, c'est parce qu'il a fait ceci, là, on va dire, non, la structure, c'est que l'événement n'est rien par rapport à la structure. Et nous avons, donc, le conseil de Ndoupou est un abus. Pourquoi? Parce que nous avons les enfants qui sont privés des informations. Ce que j'ai dit ici, là, beaucoup ne connaissaient pas. Mais, et pourtant, c'est les parents, beaucoup de parents ont vécu dans les villages, ils connaissent. Mais ils ne disent pas aux enfants pourquoi. C'est aussi un abus. Vous comprenez ce que je dis? Parce que c'est, du moins, comme on est allé à l'école occidentale, on nous a appris que nous aussi, les enfants, on a des droits. C'est comme ça que vous avez parlé aussi. Donc, pour dire que, non, on a le droit aussi qu'on nous dise. On ne peut pas nous éduquer dans une société sans nous donner les règles de cette société-là. Et ce n'est que quand on fait des erreurs qu'on dit que tu ne savais pas ça. Mais qui t'avait dit que, qui t'avait. On nous envoie en mariage sans dire que, hé, fais attention, l'infidélité, ça peut faire ceci. Non, ne fais pas. Mais quand vous faites maintenant, vous avez un problème, on dit que, oh, comment vous faites un truc? Et c'est toujours. On peut se demander ce qu'est la qualité d'éducation, ça. Ou on apprend, et même parfois, on ne vous explique même pas forcément que faire comme ça. Si vous partez faire ce qu'on appelle les rituels, les formats. Si vous demandez, mais pourquoi l'huile de palme? Pourquoi on met ça? Fais seulement. Donc, ce sont des abus que, bon, moi, je considère comme abus. Parce qu'on voit donc que de manière consciente, on veut retenir les informations. Et alors, ce qui fait que l'éducation, c'est une éducation de servitude. C'est une éducation pour de servitude, Oui, parce qu'on t'apprend seulement à obéir. Respecte. Quand quelqu'un grandit en savant seulement que respecte, même si on te fait du tort, respecte. Mais on s'est adouci. Voilà pourquoi on a des nations comme ça là. On peut venir, un policier peut venir là, tuer lui, quelqu'un là, comme ça. Les gens, 1000 personnes le regardent comme ça là. Les gens sont déjà d'éducation là. Et donc, ce qui fait que quelqu'un peut même venir, voilà. Quand vous voyez peut-être la colonisation, vous pensez que c'était toute l'Europe qui était venue. Il y avait des coins, le Congo belge, si grand que c'est là. Pendant la colonisation, il n'y avait pas plus de 1000 officiers belges. 1000. Pour une population à l'époque de peut-être 30 millions d'habitants. Mais donc, je peux dire que ces genres d'éducation là, vraiment, c'est un peu dangereux. Alors, certains dos ont été déformés au profit de certains. Par exemple, nous parlons, dit quelqu'un, un père peut dire maintenant, et tu t'amuses, je vais te maudire. Il peut te maudire comment? Il peut te maudire comment? Vous avez le même ventre. Là, c'est des abus. Il avait acheté ta mère. Puis s'il a acheté, s'il est en cap, bon, là c'est autre chose. Mais si c'est parce qu'il est parti doté, il a fait, ou bien même pas doté, donc c'est des abus. Et parfois même, il me fait ce qu'il maudit même. Et l'enfant peut-être dans sa croyance comment à traiter des choses qui parfois c'est des abus parce que bon des pratiques il y a aussi des abus parce que il y a des pratiques précises qui permettent aux gens de se décharger sciemment sur les enfants avant de mourir. Donc vous voyez souvent certaines personnes ils vivent comme ils veulent, ils font des voilà ce qu'ils veulent et après ils savent que à mourir ils savent comment ils vont faire pour laisser à quelqu'un et maintenant aller dans le panthéon. Bien. Vous avez dit tout à l'heure qu'en cap, ça veut dire quoi? C'est toute une. Recherchez sur Google, c'est tout un truc. Parce que si je. Parce que le tank, c'est vraiment. Recherche. Non, on ne peut pas voir sur Google. C'est meilleur moi. Bon, c'est dans cette société-là. Dans cette société-là, il y a des gens qui étaient habilités ou bien qui sont habilités à acquérir les droits matériels et immatériels sur un être humain. Nous avons dit que l'être humain a deux composants matériels et immatériels. Voilà, les droits matériels et immatériels. Donc, quand il acquiert la personne, c'est-à-dire, quand il acquiert les droits immatériels, ça veut dire que la personne devient sa propriété et sa progéniture maintenant. Vous comprenez? Donc, quand il acquiert une femme comme ça, mais ne pas confondre avec la dot. Et le don n'a pas seulement ses fondements. Voilà, nous venons
fait un passement des fondements culturels. Donc, on parle, on peut dire que non, bon, ok, chez les Bamileke, donc, je ne suis pas Bamileke. Non. Alors, nous voyons, peut-être dans le contexte européen, nous voyons, nous parlons par exemple, nous voyons les conséquences des liens intergénérationnels pour les gens qui font la sociologie, vous connaissez les conséquences des choses intergénérationnelles, que les gens passent chez les sociologues pour faire soigner. C'est ça, c'est les nous qui se sont transmis comme ça, là, qui n'ont pas été fait, qui n'ont pas été travaillés. C'est entre guillemets l'endo, entre guillemets. Nous avons par exemple les familles dysfonctionnelles. Les familles dysfonctionnelles ne sont pas seulement celles d'Amérique, c'est partout les familles dysfonctionnelles où il y a certaines choses qui sont passées, les secrets familiaux qu'on cache aux enfants, les ceci. Peut-être qu'il y a eu même un mort dans la famille, on n'a pas dit. Peut-être qu'il était jumeau ou bien un frère, il était mort, quand il était petit. On est... Il y a tous ces trucs qui font que, après, les générations, ça ne va, certaines choses ne coulent pas. Donc nous avons par exemple ce qu'on appelle l'épigénétique. Vous savez, non, l'épigénétique. Ça veut dire que, par exemple, il y a certains. Fait, vous pouvez vivre certains trucs maintenant, vos gènes transforment, il peut avoir des co-conséquences, peut-être c'est un, comment on peut dire, un phénomène, un accident, comment on peut dire, un phénomène, il y a par exemple les guerres, les violences, il y a tellement de choses qui peuvent, même des trucs du Umwelt, qui peuvent impacter nos gènes et qu'on va être, et on donne. Donc, il y a par exemple les gens qui ont fait la. Que leurs parents, que je connais, leurs parents ont fait. Leurs grands-pères ont fait la Deuxième Guerre mondiale, ils ont fait. Et ça restait jusqu'à aujourd'hui, pas tous ces psychologues pour ça. Parce que leur grand-père a eu à faire des choses qu'il n'a pas pu travailler. Je dis les gens ici. Donc, vous connaissez la constellation familiale, Fabienne Aufstellung. C'est la constellation familiale. Donc, il y a. Vous. Il y a la thérapie familiale, il y a ce qu'on appelle en allemand « Familienaufstellung ». Vous partez, c'est un département où c'est, vous partez là-bas, il y a des thérapeutes. Donc, on vous met, on reconstruit les gens, les positions dans les familles, les rôles, et on ressort jusqu'à ce qu'on ressort les problèmes. On voit, quand vous partez là-bas, on peut faire jusqu'à voir, il y a des trucs, on voit que non, votre arrière-grand-père avait un enfant qui est quoi, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il y a, lisez. Et, ou bien vous-même, je conseille de faire cette expérience-là. C'est cher, mais ça vaut la peine. Je dis ici, jusqu'à ce que quelqu'un parle, on dit que non, vous êtes parti sur la tombe de votre grand-père ou bien de votre arrière-arrière, amenez ça, déposez là-bas et dites ceci, dites cela. Ici. C'est chez Famille Aufstellung. Et vous essayez, vous, Famille Aufstellung. Oui. Si on se réfère un peu à l'évolution sociologique ou bien biosociologique, on va se rendre compte que l'évolution, le progrès ou bien la consommation alimentaire qu'on a aujourd'hui peut également conduire à tout cela. Parce que dans un autre contexte, on aurait également listé peut-être le lien intergénérationnel, peut-être pas, mais les autres critères seraient listés. Ce qui n'a absolument rien à voir avec le dos. J'ai pas compris la question. Ou bien c'était une question, ou bien c'était pas. Complément, c'est ok, complément, d'accord, oui. D'accord. Mmh, d'accord. Mmh. Et alors, donc nous avons par exemple, quand on va dire stérilité, quand vous. Parce que je travaille beaucoup avec la psychologie. Vous, non, il y a des trucs jusqu'à ce que la stérilité, quelqu'un soit stérilité, il part là-bas, on travaille, vous êtes sur l'eau, on voit parfois que c'est votre grand-mère qui a fermé votre ventre. Je dis ici. Je dis ici. Je dis ici. Quelqu'un part jusqu'à on travaille savoir, non, c'est sa mère ou bien son grand-père, sa grand-mère, jusqu'à. Et on travaille. Donc il y a des trucs, dont même les maladies. C'est pour dire donc que le ndo n'a pas seulement ses fondements culturels, c'est pour montrer que c'est un truc moderne, c'est un truc vraiment actuel et universel parce que nous avons à la base, j'ai dit, des sociétés, des choses, c'était de la science, c'était pas de la croyance. Et quand il s'agit de la science, ça veut dire comment, de voir comment la nature a programmé l'être humain. C'est quand certains ancêtres sacrés avaient vu comment ils ont mis maintenant que. Si quelqu'un marche dans la vie comme ça, comme ça, comme ça, il peut se sentir bien. Et ce n'est pas un problème de queue blanc, noir ou ceci, cela. Tout être humain qui marche comme ça, peut se sentir comme ça. Alors, et nous finissons. Ça, c'est maintenant les Überlegungen,
qui nous permettent de, non seulement de voir ce qu'il y a maintenant, on peut aussi se projeter. Quand on a déjà compris le Ndo dans ce sens-là, on peut voir que mais, comment est-ce qu'on peut se représenter un futur donc, de l'Afrique. Quand, par exemple, le développement de l'Afrique, nous avons dit que la pauvreté est une des conséquences. Nous voyons que la pauvreté est un fléau de l'Afrique. Et si c'est nous, comme on allait à l'école occidentale, on voit que non, pour lutter contre la pauvreté, il faut ceci, les gouvernements ont fait cela, il faut ceci. Oui, c'est nous qui allez, quand vous partez travailler avec les gens qui ont accès à ce savoir-là, mais non, ce n'est pas, ils ont toute une autre. Et je crois que c'est, il faut tenir en compte la perspective, cette perspective-là. Parce que, voilà, pour comprendre que la pauvreté que nous avons là, ça vient d'où? Ça vient aussi, c'est les conséquences des choses, de plusieurs choses. Puisque les gens qui ont vu, ils ont mis que quand ceci, fait cela. Quand on ne s'inscrit pas dans le là, quand on ne fait pas ceci, il y a ça qui se passe. Comment les choses alors se passent? Au lieu qu'on voit que, mais qu'est-ce qu'on on commence à voir plutôt que non. À l'école, on a étudié que quand que, E est égal à MC carré, c'est ça qu'on doit appliquer. Donc, il y a par exemple le développement de l'Afrique. La perspective de la maison, que vous comprenez maintenant ce que j'avais dit, la maison. Voilà. Donc, par exemple, c'est le sens du monde, c'est du haut vers le bas. Vers le haut. Du haut vers le bas. C'est-à-dire, l'épanouissement, elle, a une direction. Donc, si on veut développer, voyons donc comment on fait avec ce développement, avec ce lien-là. Au lieu de voir que le problème, c'est que le droit de l'Afrique, quand on parle de développement, on confond très souvent avec le droit de l'Afrique, avec son occidentalisation. Donc, on parle de l'Afrique parce que quand on dit à quelqu'un que non, Baham est développé, c'est pas, il faut que Baham se développe, c'est qu'il faut que Baham soit un jour comme Francfort. Là, c'est que Baham est développé. C'est une confusion. On confond avec l'occidentalisation, on confond le développement avec la capacité de consommation. Et maintenant, en se faisant, le type, donc, quand on parle de développement de l'Afrique, surtout la diaspora, qui est un très grand acteur actuellement pour le développement de l'Afrique, tout ce que la diaspora fait, c'est d'amener l'Europe vers l'Afrique. Nous sommes d'accord. Que ce soit en argent, en objet, en tout, même en business, c'est d'amener l'Europe vers l'Afrique. Et avec ça, la diaspora devient le nouveau colon de l'Afrique. Et cette nouvelle colonisation est extrêmement dangereuse. Pourquoi? Parce que quand les colons occidentaux, quand ils venaient, avant de commencer à coloniser, ils ont fait des études anthropologiques, des études ethnographiques poussées. Quand on nous dit que oh, c'est dans les années 1800, non. L'Afrique et l'Europe ont entretenu des liens diplomatiques, économiques, scientifiques, culturels près de 1000 ans, de manière très intense. Il y avait des médecins qui quittaient le Congo pour aller ouvrir le cabinet en Europe. Il y avait des villes, quand on venait dans des villes, il y avait des quartiers des Chinois, les quartiers, c'était autre chose. Donc, pour rester dans le truc, la nouvelle diaspora, on amène l'Europe vers l'Afrique sans faire une étude ethnologique. Ethnographique. Donc, on détruit des choses qu'on... L'autre détruisait, mais savait ce qu'il détruisait. Savait très bien ce qu'il détruisait. Non pas on détruit, parce qu'on a fait se moderniser, ça avait des conséquences, vraiment, des très graves conséquences. Comme nous voyons, par exemple, la maison des crânes de nos jours, avec les toitures en zinc. Les toitures en zinc qui sont des métaux. Bon. Et plus grave encore, c'est que nous n'avons plus de circoncision. Parce que la circoncision que nous avons actuellement est limitée seulement sur son aspect esthétique. Or, la circoncision, j'ai dit que l'être humain pouvait expérimenter deux naissances. La circoncision était le sceau qu'on mettait, le sceau que quelqu'un avait pour quand il accédait à la deuxième naissance. On a enlevé l'aspect-là. On ne faisait pas la circoncision sur les enfants et les tout. Non. La circoncision était le certificat, le baccalauréat d'un système éducatif. Alors, quand on n'a plus ça, quand on n'a plus de circoncision, c'est la circoncision qui permet le rapport avec les ancêtres sacrés. Sans ça, c'est un autre thème. Toujours est-il que les rapports sexuels, par exemple, qu'on a de nos jours, ont des conséquences
J'ai eu à faire des classes pour ça, pour des trucs. Les conséquences, ça, des conséquences terribles. Bon, on peut demander, dire, par exemple, que quand deux personnes s'accouplent, hein, ce n'est pas seulement au niveau matériel. Puisque quand nous sommes composés de matériel et immatériel, donc quand deux personnes s'accouplent, il y a certaines choses qui se passent. Et ces certaines choses-là ont des répercussions à court, à long terme, et ainsi de suite. Les répercussions peuvent être positives ou pas positives. Il faut pas que je ne dramatise pas tout, mais toujours est-il qu'il y a des choses qui se passent. Et ces choses-là, la manière dans nos sociétés, ces types de rapports ont des destruits. Nous amène est problématique, disons comme ça. Donc, nous avons donc des conséquences effroyables. Donc, avec le développement qu'on est en train de faire, notre manière de vivre, de manger, notre sexualité, notre tout, notre ainsi de suite. Je ne veux pas citer les autres trucs pour ne pas blesser les sensibilités des gens, parce que je sais de quoi je parle. Je sais très bien de quoi je parle. Donc, tout cela, alors, font que nous ne sommes que, d'une part, on se développe parce qu'on construit des maisons en béton, mais d'une autre part, on est en train de s'empirer dans une servitude imminente. Alors, nous tournons, vous avez la fin, hein, peut-être c'est dans le dernier truc. Voilà. Donc, ce qui fait que nous tournons de la fin, alors, mais on peut dire que ouais, c'est comme ça et tout, et c'est bien, mais on peut aussi faire et envisager de faire quelque chose. J'ai mis le premier point pas de chance. Pourquoi? Parce que dans mes études, avec les savants africains, parce que quand on amène des termes comme initié et tout, comme j'ai dit, c'est pour banaliser nos structures. Un professeur d'université aussi, c'est un initié. Puisque quand vous partez à l'université étudier, le machine bao, c'est une initiation. Mais là, on ne dit pas initiation. Nous partons maintenant dans nos choses pour apprendre, on dit que c'est initiation. Nous-mêmes, nous disons que c'est initiation. Et quand on dit initiation directement, quelqu'un met ça sur le cadre de la religion, après quelqu'un dit que non, à cause de Jésus, je ne peux pas moi à l'école là. C'est comme, alors que c'est la terminologie joue un très grand rôle dans notre manière de percevoir. Quand on commence à définir nos réalités par des termes étrangers, il faut faire très attention. Donc, quand je parle donc avec des différents savants, pour eux c'est imminent. Pour eux, le fait que je pense à propos, pour eux je perds seulement mon temps. Ils disent que pour eux c'est imminent. Ils disent, je pouvais m'avoir là dans le moment de 1 que j'avais là, parce qu'on avait j'enregistre toujours quand je travaille. L'autre disait que je lui dis que mais vous là, quand vous voyez, vous êtes des grands, vous traitez les problèmes des gens tous les jours. Quand vous voyez l'Afrique souffrir comme ça, qu'est-ce que vous pensez? Vous le tout ceci, il m'a dit que mais c'est ça la souffrance. Il m'a dit que vous avez dit que l'Afrique n'a pas encore que la souffrance d'Afrique n'a pas commencé, que ce qu'on a fait, l'esclavage, que ce qui arrive est pire. C'est ce qu'il m'a dit. Il n'est pas un, c'est pas le seul. Que ce qui arrive est pire. Je lui ai dit que mais on peut faire quoi? Il a dit que on ne peut rien. Il dit qu'on peut donc faire. Il dit que mais pourquoi c'est comme ça? Il dit que les ancêtres ont voulu comme ça. Il dit que pourquoi vous connaissez ces gens? Ils ne répondent pas. Pour qu'ils me répondent, il faut peut-être que je passe même 2 semaines, 3 semaines, même 1 mois avec lui, puisqu'il a quoi? Il va me répondre pourquoi. C'est comme nous, parce que quand nous on vient de l'Europe, on croit qu'on pose des questions aux gens, ils doivent répondre. Il va répondre pourquoi. Il a son savoir, il n'a pas besoin de. Il a son savoir, c'est moi qui veux savoir, donc il n'a même pas. Il faut que je le flatte même pour qu'il voit là. Donc c'est pour dire que dans cette perspective-là, d'abord, il n'y a pas de sens. Et quand vous regardez, moi personnellement, je les atteste, je dis que vraiment il n'y a pas de sens. Donc ce qu'on fait seulement pour que, bon, ok, parfois la nature, parfois il y a le hasard aussi. Donc il faut aussi quand même essayer. Il faut aussi parce que, pourquoi j'ai dit ça? Parce que quand on fait une analyse sociologique, on voit là où on est en train d'aller, le ndo dans laquelle on est en train de s'empirer là. Puisqu'on a affaire avec des Africains maintenant qui connaissent un peu la langue. Quand vous connaissez la langue, ça veut dire, un ethnologue a dit, après avoir passé 17 ans au Nigeria, il a dit que, ce n'est pas que la langue permet l'accès à la culture. Il dit que la langue, c'est la culture. Que les langues africaines, c'est la culture. Donc, quand le fait de ne pas connaître une langue, ça veut dire, voilà. Après, quelqu'un va venir, comme dans les écrits, vous lisez tous les livres. On va dire, si Dieu s'est ramifié, c'est ainsi. Voilà les trucs.
Voilà les trucs, à cause de la langue. Alors, cependant, donc nous voyons donc, on peut faire quelque chose, on peut essayer, au moins c'est les esquisses, on peut voir au niveau de la société, au niveau de l'individu, au niveau de la société, on peut peut-être voir comment restructurer la maison, tout en sachant que nous ne parlons pas ici, j'ai dit une différence, nous ne parlons pas de chefferie. Bien évidemment, la chefferie a été calée. Si on pouvait redynamiser la chefferie dans ce sens-là, ça devrait être bien. Mais, étant donné que la maison est une structure scientifique, donc c'est accessible. Il faut seulement du travail. Il faut donc les scientifiques qui vont s'asseoir là pour travailler. C'est possible. Et, au niveau individuel, bon, certes, les gens qui vont à l'école de ça sont privilégiés. Parce qu'ils ont l'école, mais quand, pour ceux qui n'ont pas accès à l'école de ça, on ne peut pas mourir seulement parce qu'on n'a pas accès. Au moins, on peut mener une hygiène de vie. L'hygiène de vie englobe beaucoup de choses. Entre autres, la manière de se nourrir, la manière de dormir, la manière de marcher, la manière de la sexualité. Il y a tout un truc là-bas dedans. L'hygiène de vie. Parce que, même la manière de marcher, même la manière qu'il y a tout un truc que vous allez voir à la fin, là, mon flyer, j'ai des cours établis pour ces choses-là. Mm-hmm. Et ce qui est bien dans le cœur, c'est que ce n'est pas la religion. On n'est pas en train de dire qu'il faut que c'est des trucs, voilà. Quand on dit marcher, on marche comme ça parce que ça fait ça, ça fait ça, ça appuie ici, ça fait ceci, ça fait cela. Et voilà, attiser le sens de la recherche, c'est très nécessaire aussi d'être curieux. Vous partez peut-être quelque part, on vous dit quelque chose, demandez au moins avant qu'on ne refuse de pas vous expliquer. Essayez quand même que, très souvent, quand vous faites quelque chose, entre guillemets, les rites, pourquoi on fait ça? Même si on vous insulte, mais on peut vous dire qu'à Dieu, on vous pose toujours la question. Mais essayez peut-être, parce que c'est aussi comme ça qu'on peut apprendre et comprendre les trucs. On met l'huile de palme, pourquoi? Pourquoi le vin de raffia? Le pourquoi ceci? Certes, ça énerve les gens quand on pose, mais peut-être en donnant une ou deux billes à quelqu'un, il peut dire quelque chose qui va vous aider. Donc, et voilà. Et ce qui fait donc que, de manière, il est pour le développement, pour la renaissance de l'Afrique, le Ndo et la renaissance de l'Afrique, il y a des thèmes qui ne seront, qu'on ne pourra pas sauter. La question de la religion, la question de la démocratie, et ainsi de suite, ainsi de suite. Nous sommes d'accord? Oui. Parce que la question de la religion, parce que, entre autres, nous parlons ici des religions exogènes. Donc, quand on amène, par exemple, une religion exogène des peuples nomades, pasteurs, les pasteurs, c'est-à-dire les bergers, dans une structure matriarcale agricole, c'est des conditions de monde différents. Quand on amène une divinité céleste dans une société qui a une divinité terrestre, c'est deux conditions. Ça prend forme, ce n'est pas une histoire de procès, ça a des conséquences. Parce que nous avons par exemple un système économique ou un système politique. C'est le système qu'on a aujourd'hui, c'est ça des sous-bassements métaphysiques, nous sommes d'accord. Même le capitalisme, le système bancaire, monétaire et tout ça, des sous-bassements métaphysiques. Pour ne pas dire même ésotérique. Donc, quand on se sectionne pour aller se greffer ailleurs, il fait un truc à revoir. Nous avons par exemple, on dit, j'étais hier à Africa Neudenken, penser l'Afrique de nouveau. C'était un truc qu'on organise une fois par an, où vraiment beaucoup d'Africains viennent échanger les idées pour l'Afrique de demain. C'était hier à Francfort, là. J'étais allé là-bas. Donc, entre autres, on parle vraiment des problèmes de l'Afrique, et on parlait, entre autres, comment voilà, l'Union européenne, l'Union africaine, comment elle est caduque. Et comment il faut la démocratie et tout, et tout, et tout. Et j'ai dit que quand nous parlons, oui, c'est vrai, il faut voir cet aspect, mais l'aspect des cultures, il faut le tenir encore, parce que quand nous parlons de la démocratie comme un moyen qui peut aider l'Afrique, la démocratie, c'est quoi? Si je peux, la démocratie, c'est, nous avons appris à l'école, le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Or, nous avons des structures locales où le pouvoir appartient plutôt aux ancêtres. Mais vous venez dans ces deux structures différentes. Et on croit que, même les gens qui sont même dans les pays, qui ont au pouvoir dans les pays africains,
même comme les pays sont les structures coloniales, mais ils partent même fuser eux-mêmes leur pouvoir là-bas. Au Bénin. Là-bas, voilà. Au Bénin, oui. Oui, ils partent là-bas pour. Donc, quand les, nous les. Ils ne croient pas à cette démocratie, en fait. Que tu dis ? Eux-mêmes ne croient pas à cette démocratie. Oui, donc, peut-être, mais toujours est-il que quand nous, la diaspora africaine, on vient de demander de l'Afrique, la démocratie, moi, je reste dissimulé. Je ne sais pas. Ou bien, parfois, c'est moi qui suis. Pas, peut-être, vous, si je ne suis pas normal, vous allez me dire. Parce que ça dépend de mon entendement. Comment on dit, on croit que le développement de ce pays, d'une société où le pouvoir appartient aux ancêtres, même le territoire, nous savons, on a les Sévéries, Bamileke, le territoire appartient aux ancêtres, nous sommes d'accord. Même le territoire, et vous voyez que non, pour le développement là-bas, il faut amener la démocratie. Il faut que les gens, le pouvoir du peuple, le peuple parle. Comme si vous pouvez administrer là-bas sans l'autorisation des ancêtres. Donc, ce qui fait que nous avons ici, c'est une photo très intéressante. Donc, on parle par exemple des religions exogènes, on croit que c'est un truc nouveau, que c'est un phénomène nouveau. Nous avons 1931, la première église à Bandjou. 1931. Donc, ça veut dire que même certains de nos parents n'étaient pas encore nés, ils s'étaient déjà impliqués. Donc, ce qui fait que beaucoup de choses qu'on a, jusqu'à ce qu'on dit maintenant que c'est la tradition et tout, combien de fois ça a été déjà influencé par ces infiltrations. Donc, j'ai omis au début d'expliquer ce que ça veut dire savoir élitaire noir. Ce que moi je ne travaille pas avec les savoirs africains. Parce que le terme africain renvoie à toute une autre chose. Qu'est-ce qui est Afrique? L'Afrique n'est pas homogène, donc c'est tellement. Voilà. L'Afrique n'est pas. Après, ce qui fait que le savoir élitaire noir, c'est que dans le cadre de mes recherches, j'ai eu le privilège d'avoir accès à un certain type de savoir que dans les sociétés africaines, les différentes sociétés africaines, certaines personnes ont. Donc, et ces personnes-là, on peut appeler ça le savoir explicite. Or, il y a le savoir explicite et le savoir implicite. Par exemple, si on demande à quelqu'un que la sorcellerie, c'est quoi? Quelqu'un m'a dit, non, la sorcellerie, c'est ce qu'il ne peut pas expliquer. Il peut expliquer, ça c'est parce qu'il a un savoir implicite. Mais il y a des gens qui ont maintenant un savoir explicite, ils peuvent faire ta c'est toi là, je t'explique. Ils t'expliquent en commençant par la terminologie, expliquer comment, donc voilà. Donc, dans une société, parfois, on peut voir une société de 100 personnes, il y a peut-être 0,1 personne qui a le savoir explicite là. Et c'est comme peut-être en Europe. Nous avons une société, nous avons les trucs nucléaires. Il y a parfois, dans une faculté, dans une faculté quelconque, c'est seulement parfois deux scientifiques qui sont la tête de cela dans une université. Donc, c'est à peu près la même chose ici. Et alors, donc, c'est pour ça que j'ai dit savoir l'éther noir, tout en sachant qu'en renvoyant le terme noir ici, ne renvoie pas à la peau. Il n'y a pas d'homme noir. La noir veut dire comme le bafle, il n'y a pas un homme comme ça. Donc, la noirceur ici renvoie à ce que je vous ai expliqué là, le savoir élitaire noir. C'est avec ça, donc partout, dans tous mes travaux, vous allez toujours voir ça. C'est avec ça que je travaille pour expliquer vraiment le concept. C'est un autre, ce n'est pas des trucs africains, ainsi de suite, non. C'est un concept bien défini. Donc, pourquoi on parle souvent de la magie? Bon, vous savez, la magie, chez nous, voilà pourquoi, dans notre contexte, dans le contexte paradigme d'Amérique ou encore chimique, voilà, la noirceur est la vie, est la vie, et la blancheur, le non-vie. Je crois que vous me suivez. Donc, même dans nos, voilà, puisque j'ai d'abord dit que si elle est liée avec la noirceur. Donc, ça veut dire que c'est dans d'autres sociétés, ils ont développé pour eux que non, c'est la blancheur qui est pour eux la vie, et que c'est la noirceur qui est pour eux la mort. Soit, mais chez nous, ce qui fait donc que quand c'est seulement pour ajouter un petit truc. Quand les gens portent les habits noirs pour aller au deuil, là, c'est très dangereux. Très dangereux. Parce que le noir absorbe. Bon, on peut prendre recherche, faites vos recherches. Tout ce que j'ai dit là, c'était pour attiser vous attiser à rechercher. À chercher plus. Donc, il y a beaucoup de choses dans nos cultures. Alors, donc on peut, avec le savoir du thème noir, je travaille, on peut voir. Revoir les termes comme le mariage, développement, migration, racisme, et ainsi de suite.
Parce qu'il y a tellement... Dans tous ces thèmes-ci, là, si je vous développe ça, vous allez voir que c'est, je parle d'une autre perspective. Donc, je peux pas, si je parlais du racisme ici, là. Donc, voilà certains de mes programmes que nous avons là. Reconnect cas, c'est reconnecter l'identité pour le développement personnel. Et il y a, voilà, le racisme pour les jeunes, et ainsi de suite. More than a woman pour le développement personnel de la femme. Les recettes pour le sex innovative grand recette de Oumé à une Frau zu. Il y a ainsi de suite. Il y a seulement les trucs. Bon. Donc, oui. Bon, vous avez fini. Okay. On finit, c'est compliqué. Voilà, donc, c'était donc les projets. Ça fait donc, même ayant étudié sociologie et ethnologie, où normalement, au début, on me disait que tu étudies ça, tu veux faire quoi avec? On voit donc que moi, je vois qu'il y a beaucoup de choses que je peux faire avec, tellement, parce que le potentiel des cultures africaines est immense. On n'a même pas, c'est-à-dire, ce qu'on connaît des cultures africaines, ça ne fait même pas encore 1% de ce que le potentiel est immense. Et l'ethnologie, donc, ce que je fais, me donne vraiment accès. C'est comme si j'ouvre une caisse d'or et je suis en train de fouiller, c'est très... Et ce qui fait qu'en mettant des projets, comme des programmes comme ça, j'ai des programmes, par exemple, que j'offre aux entreprises pour le développement personnel, pour, par exemple, la prévention du racisme ou bien des tensions dues aux différences ethniques, et ainsi de suite, grâce à l'ethnologie. Donc, si un jour vous avez des enfants qui veulent étudier ça, ce n'est pas un truc... C'est pas seulement quelque chose qu'on apprend pour rester dans un bureau, pour à l'université, on peut faire beaucoup de choses avec. Donc, voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci.